pyjamas. Yo-yo, pas rapido. 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3. Soleil. 1, 2, 3. Soleil. Hein? Arrêtons-le. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'un robot faisait ici en pleine journée? Et pourquoi il a mesuré Sacha? Aucune idée. Mais si Roméo l'a envoyé ici, c'est sûrement pour une bonne raison. À nous de découvrir ce qu'il mijote. Pyjamasque, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Bibou! Greg devient... Bibou! Sacha devient... Que Roméo a un nouveau gadget. Regardez. Oui, et ça ne me dit rien de bon. Tous au chabolide. Hein? Oh, encore un laser. C'est une blague. Tu sais pourtant bien que tous tes lasers ne peuvent rien contre mon super pouvoir rapido. Tu n'as pas été assez rapide cette fois, Pyjaminus. Mon nouveau laser aspirateur est très au point pour une première. Hein? Rira bien qui rira le dernier. Yo-yo, rapido! Je te tiens. Ah oui, tu crois ça? Cette fois-ci, je... Essaie encore. Pourquoi ça marche pas? Yo-yo, hein? Est-ce que tout va bien? Ça va. Allez à sa poursuite, tous les deux. Je vous rejoins. Glu-glu, main collante. Bon, je réessaye. Yo-yo, rapido! Oh, non! Où sont mes pouvoirs? Yo-yo acrobasso! Oups! Glu-glu méga mus! Tu arrives juste à temps. Oui, heureusement que tu es rapide parce que sans toi, c'était fini. Les copains, j'ai comme un petit problème. Je crois que Roméo m'a volé mes super pouvoirs. Quoi? Comment ça? J'ai tout perdu. Ma vitesse, mes acrobassos, mon yo-yo ligoto. J'ai plus rien du tout. Oh, je suis plus un héros, juste un enfant avec un déguisement. Mille reptiles? Alors c'est à ça que sert le nouveau laser aspireur de Roméo? Ne t'en fais pas, on va trouver un moyen de récupérer tes pouvoirs. Je l'espère, Bibou. J'aimerais tellement vous aider. Mais depuis que Roméo a aspiré mes pouvoirs, c'est comme si Yo-Yo avait disparu. Roméo aussi a disparu. Pas pour longtemps. Hibou Vision!
Donc Robo a commencé par prendre les mesures au parc ce matin. Et maintenant qu'il t'a volé tes pouvoirs, il lui demande de coudre quelque chose. Mon laser aspirateur a vraiment été efficace. Grâce à lui, j'ai réussi à priver le pyjaminé de ses pouvoirs. Quand Robo les aura intégrés à mon nouveau costume, j'en aurai plus qu'à récupérer les pouvoirs du crâne de Piaf et du lézard gluant. Voilà, maître. Votre super costume, rien qu'à vous, pour aller avec votre super cerveau. Quoi? Tu ne crois quand même pas que je vais devenir le maître du monde habillé comme ça? Non, mais franchement... Heureusement que nos costumes sont plus réussis que le sien. Heureusement, oui. Si Roméo pense qu'il battra les pyjamasques en s'en prenant à l'un de nous trois, il se trompe complètement. Oui, mais il faut à tout prix qu'on l'arrête avant qu'il absorbe les pouvoirs de Yo-Yo. Glu-glu, reptile au camouflage. Et puis pourquoi as-tu cousu ce costume à partir des mesures de Yo-Yo? Il n'y a que ses pouvoirs qui m'intéressent, pas sa pointure. On commence. Oups. Bibou, tu peux attraper ça? Pourquoi tu restes planté là, Robo? Fais quelque chose, espèce de boîte de conserve. Oui, maître. Hein? Waouh! Yo-Yo, attrape! Surtout, ne les lâche pas ou tu seras plus jamais un héros. Oh, surtout, fais attention. Mais pourquoi? Tiens, tiens, tiens. Le minet ne veut pas jouer à la baballe? Dommage. Tu n'as rien, Yo-Yo? Non, ça va. Mais je ne vous aide pas du tout. Je suis plus un pyjamasque. Mais si, qu'est-ce que tu racontes? Tu as réussi à nous rattraper dans le chabolite tout à l'heure, même sans tes pouvoirs. Glu-Glu a raison. Tu es toujours super, Yo-Yo. Il faut que tu continues à y croire. On a besoin de toi, tous les deux. Tu as raison. Je n'ai peut-être plus mes pouvoirs, mais il est hors de question de laisser Roméo s'en sortir comme ça. Suivez-moi. Accrochez-vous! Chatapulte! Alors, j'ai toujours le coup de main! Yo-Yo Acrobasso! Oh! Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié que je ne peux plus faire ça non plus. Le chat boutien ne retombe plus sur ses pattes? Très drôle, maître. Arrête, Roméo. Ça suffit. Tu comptes faire quoi? Me poursuivre grâce à ton super pouvoir de Yo-Yo Ramolo? Yo-Yo Ramolo. Vraiment très drôle, maître. Toi, tu n'es ni super ni un héros, Roméo. Et ton costume de méchant ne ressemble à rien. Pourtant, je me suis appliqué. C'est vrai, j'avais envie d'avoir un costume spécial maître du monde. Mais ce qui m'irait vraiment, ce sont tes super pouvoirs à toi. À ton tour, cervelle de moineau. Bibou, attention. Hein? Hey, vous avez vu ça? Finalement, ne plus avoir de pouvoir, c'est assez bon côté. Ouais, le laser ne peut plus te faire de mal maintenant. Forcément, il a déjà tout aspiré. Et tu as remarqué? Tu m'as sauvée sans utiliser tes super pouvoirs. Il n'y a rien de plus héroïque. Merci, Bibou. C'est l'heure d'être un vrai héros, avec ou sans super pouvoir. Pousse-toi de mon chemin, le chaton. Fini de passer l'aspirateur, Roméo. Robo! À l'aide! J'arrive, maître. Ça tourne. Oh, franchement, je ne vois pas de quoi tu te plains. Il te va très bien, ce costume. Glu-glu, méga muscle. Robo à bobo. Ça fait mal. Erreur. Ouais. Je viens vous sauver, maître. Oh non. Je vais avoir un bleu.
je suis redevenue moi-même. Hein? Yo-Yo est de retour. Ah, je vous aurai la prochaine fois, les Pyjaminus. Je vais vérifier que j'ai bien tous mes pouvoirs. On ne sait jamais, pas vrai? Yo-Yo, rapido! Je vous ai bien eu, hein? Youpi! Ouais! Ouais! Cool, Caméléon, on a réussi! Yaha! Pyjamasque, on crie hurrah! Cette nuit, on va régler les tracas! Vous voulez rejouer à 1, 2, 3 soleil? Cette fois, c'est moi qui compte! Soleil! Hein? C'est toi, le chat! Gluglu et la lave collante. Je me demande ce que Ninjaka prépare. Allons voir. Attendez, je vous rappelle que c'est plein de pièges à l'intérieur. Et alors? Toi, tu as ta hibou vision pour les voir. Toi, tu as ton yo-yo rapido pour les éviter au dernier moment, mais... Et toi, tu as tes méga muscles. Oui, mais... Allons-y. Oh. Hein? Les Super Zéro nous ont suivis. Attrapez-les. Oh oh. Wow. Hein? Depuis quand Gluglu s'est volé? Wow, Gluglu, bouclier, écaille. Oh, par mes écailles, de la lave collante. Est-ce que ça va? Waouh, cette lave a l'air très collante. Oui, mais rien ne résiste à Gluglu. On ne peut pas dire que je vous ai beaucoup aidé. Moi, je ne retourne pas à la pagode. Là-haut, mes méga muscles ne servent à rien. Pourtant, il faut qu'on y retourne pour découvrir ce que Ninjaka mijote. C'est vrai, mais j'ai l'impression qu'il va bientôt faire jour. Oui, Ninjaka et ses ninjas zouaves ne feront plus rien cette nuit. Nous ne tarderons pas à revenir ici, j'en suis sûre. Oui, sûrement. Dès qu'il fera nuit, on retourne à la montagne pour d'autres aventures. Vous ne diriez pas ça si vous l'aviez dévalé sur les fesses comme moi. Regardez, c'est de la lave collante. Elle vient du portail qui mène à la montagne. Ça a sûrement un rapport avec ce que Ninjaka faisait la nuit dernière. Toute cette histoire de lave collante extra forte ne me dit rien de bon. Il faut qu'on fasse quelque chose. T'es prêt, Greg? Y a pas le choix. Pyjamasque, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Greg devient... Gluglu. Sacha devient... Yo-Yo. Les Pyjamas. Ninjaka est en train de faire... une danse étrange. J'en étais sûre. C'est certainement grâce à sa danse que Ninjaka la fabrique. Et ensuite, les ninjas zouaves la récupèrent. Nous devons retourner à la pagode pour les arrêter. Vraiment? Je veux dire, bien sûr. Oh. Tiens. Finalement, je vais peut-être pouvoir me rendre utile, moi aussi. Jusqu'au sommet. Allez-y, vous deux. Moi, j'ai de quoi m'occuper ici. Hein? À
admirer le travail. Gligli, tu peux monter avec nous. Je suis sûre que ça se passera mieux qu'hier. Je serai plus utile ici. Il faut de la force pour faire ça. Et la force, c'est ma spécialité. C'est vrai que tu es plutôt douée pour boucher les fontaines de lave collante. Tu veux rester? Oui, ce sera mieux. Bon, alors dans ce cas... D'accord, continue comme ça. Toutes les étoiles que je lance sont fabriquées à partir de cette lave collante fraîche. Grâce à ma danse et à cette potion, je peux faire jaillir la lave. À vous de la récupérer, les ninjas ouaves. Cette lave colle si fort que je vais bientôt pouvoir engluer toute la ville. Ça va être la meilleure colle du monde entier. C'est donc ça son plan. Je comprends. Qu'est-ce qu'il y a dans cette potion? Hé! Hein? Je l'ai! Eh non, tu ne l'as plus! Maintenant, c'est moi qui l'ai et je te la rendrai pas! Ah, c'est Pyjaminus! C'est trop leur demander de laisser un ninja engluer toute une ville tranquillement! Glu-glu, on a la potion de Ninjaka! On n'a plus qu'à rentrer au QG pour l'analyser! Et on doit trouver pourquoi il danse comme ça! Tu viens? Désolée! Je suis très occupée. Ninjaka a fabriqué beaucoup de lave collante. Il ne faut pas qu'elle sorte du volcan. Très efficace. Mais tu es sûre de ne pas vouloir venir avec nous? Oui, j'en suis sûre. Hein? Alors, à tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je sais tout sur sa danse. Si on la fait à l'envers et qu'on utilise l'antidote en même temps, ça annulera le pouvoir de la potion. Comme ça, la lave extra-collante de la montagne redeviendra de la roche normale. Tout ce qu'on a à faire, c'est éviter les pièges et échapper aux ninjas zouaves tout en dansant et en versant l'antidote dans le trou au milieu de la cour de la pagode. Oui, ça a l'air facile. Vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Je vous fais confiance, les amis. Viens avec nous. Nous sommes une équipe. Oui, mais vous vous en sortirez très bien. Allez-y, tous les deux. Ça ira. Moi, je reste ici. Bon, si tu préfères rester. Oui, et je n'ai pas encore fini de reboucher toutes les fontaines. À tout à l'heure. Oh, hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Eh oui, vous avez raison, mes chers ninjas zouaves. Le pauvre lézard gluant. On y va. Oh, à l'attaque. Mon hibou déplumé. Dommage que Glu-Glu ne soit pas venu. Il nous aurait bien aidé. Ne t'en fais pas. On va très bien s'en sortir. Ils n'ont pas besoin de moi. Ils s'en sortiront à deux. Et j'ai déjà assez à faire ici, moi. Bien. Mais j'ai terminé. Dis adieu à tes étoiles collantes, Ninjaka. Hein? La montagne tremble et on entend des grondements très étranges. Oh, ce n'est sûrement rien de grave. Qu'est-ce qui se passe? Moi! La tête de Tétard a bouché tous les trous de mes fontaines de lave collante. Mais toute cette lave, il va bien falloir qu'elle sorte de sous terre. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Vous aimez les explosions volcaniques super géantes? Si énorme que de la lave collante pourrait dévaler la montagne pour engluer toute la ville. Non. Alors vous n'allez pas apprécier le spectacle? Moi. Le lézard gluant m'a rendu service en fait. Jamais je n'y aurais pensé tout seul. Et pourtant, je suis un méchant. Ne vous en faites pas. J'ai bouché tous les trous.
tout est sous contrôle. Oh! Oh! Wow! Ah! 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 Oh! Attention! Ah! Ah! Nous sommes coincés. Oh, mille reptiles! Je vais vous sortir de là. Non, attends. Il faut arrêter l'éruption avant que la lave n'atteigne la ville. Tu as raison. Je n'ai pas que des muscles et je vais le prouver. C'est l'heure d'être un vrai héros. Mouah. Oh. Mouah. Bon, allez, deuxième essai. Ah, j'ai d'autres qualités que la force. Attrapez-le. Mais c'est quand même très utile parfois d'avoir des méga muscles. Allez-y! Je ne vous évite pas aussi vite que Yo-Yo, mais ce n'est pas mal pour un lézard. Je n'ai pas l'agilité d'un chat, ni la supervision d'un hibou, mais je me débrouille. Tu devrais te contenter d'utiliser tes muscles. Et toi, tu devrais éviter de jouer avec la colle. Sinon, tu auras affaire à Super Gluglu. Ça a marché. Ouais. Vous avez vu? J'ai réussi la mission tout seul. Trop fort. Mais, en parlant de force, je vais vous aider. Gluglu Méga Muscle. Vous aviez raison. Elle est spéciale, cette montagne. Grâce à elle, j'ai compris que je suis capable de beaucoup de choses. Je ne suis pas qu'un lézard musclé. Pyjamasque, on crie hurrah! Cette nuit, on a réglé les tracas!